started doing some tutoring lately, just in the last month or so. She said, what did she ask me? It was gimana. Yeah. I was like, oh, hey Gus, gimana. And I was like, what? Gimana? Like, gimana? C'est plein de 4x4, beaucoup de chevaux aussi qui aident à monter certaines personnes jusqu'au volcan. Ça c'est notre guide. Oh non, thank you. You swear? Yeah. Voilà, on est dans l'ascension du volcan Bromo. Et ben c'est pas facile. Alors on est donc toute une équipe avec un collègue indien qui habite ici à Java, un collègue australien qui est fiancé avec une fille de Chine. Il y a quelques Français aussi dans notre groupe. Oh là là, l'ascension va être dure là. On est... elle est difficile. Mais vous voyez ces paysages fantastiques. Alors ce volcan Bromo, il était beaucoup plus grand. Mais lors d'une éruption, il a explosé. Et maintenant, il reste... j'allais dire la petite partie. On a vu d'en haut tout à l'heure, c'est vrai que ça a l'air petit, mais quand maintenant on est au pied du volcan, c'est quand même immense. Ce matin, on était là-bas en face. Je sais pas si on voit là-bas, il y a les antennes au sommet là-bas. Donc on était on est monté jusque là-haut et puis c'est bien froid ce matin quand même. Tout le monde se gelait. D'ailleurs, ils nous donnaient des... Ils distribuent des couvertures et tout ça pour pas cher. Et ouais, il faisait pas chaud. Donc on est parti à 1h du matin de Malang, là où... où tout le monde à peu près a son hôtel, hein. Et en fait c'est une ville très touristique à cause de ce volcan Bromo, donc volcan encore actif. On a vu qu'il fumait, hein, sur les images ce matin. Derrière il y a un autre volcan aussi qui crache de la fumée plus haut. Et mais il crache de la fumée moins régulièrement. Bref, donc on est dans une région très active au niveau des volcans et éruptions. En même temps, bon, ce ne sont pas des vraies éruptions, il n'y a pas d'explosion. Quoique, hein, je ne sais pas là, quelle année, mais c'est le guide, il nous a dit ça. Je vais lui demander en quelle année. Mais le volcan Bromo, il était beaucoup plus gros que ça. Et il a explosé et donc ça a cassé un petit peu le cône. Mais il était beaucoup plus grand. Et en fait, je pense que le volcan, c'est tout ce qu'il y a en bas aussi. Toute la partie sable là, ben c'est pas du sable, hein. D'ailleurs c'est de la cendre de volcanique. Qui après donne du sable. Mais ouais, donc il a explosé et maintenant un nouveau cône s'est formé et c'est ce volcan là, le Bromo. Donc ouais, petite ascension sympa.
voyez tous les chevaux qui aident un peu certains touristes à venir du parking à ici, juste. Hein. Après la fin de la balade, elle se fait à pied par l'escalier. Les chevaux, je crois qu'ils font payer ça. On peut les avoir pour 5-6 euros. La balade aujourd'hui avec les guides, les 4x4, etc. C'est... Moi j'ai trouvé un tour qui était pas cher. À 45 euros. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Hein. Si vous allez sur TripAdvisor et tout ça, vous verrez, il y a des tours à 80 euros, 100 euros et même plus. Hein. Moi, j'ai trouvé à 45 et franchement, c'est un bon tour. Voilà, ils ont mis un cheval en licorne, sérieux, le pauvre. Mais c'est magnifique. Et on a l'escalier encore à monter avant de voir le cratère. Après le cratère, on pourra pas faire le tour. On peut juste aller là où il y a les barrières. Mais on nous a dit de pas faire le tour. Hello, hello. Eh ben l'ascension elle est pas facile. En plus ça commence à sentir le soufre. On nous a proposé des masques en bas. J'ai dit non. Mais c'est vrai que ça commence à sentir là. Oh punaise. Oh waouh. Difficulté. Oh punaise. Ah, on a une belle vue. Ça va être beau en haut, volcan, j'en suis sûr. C'est un beau tour, ouais. Franchement, ça vaut le coup. C'est chouette, j'ai rencontré des gens vraiment sympas. On n'arrête pas de parler avec l'Australien. Il y a notre copain d'Inde aussi là. Super sympa. On se prend des photos là tous. Bonjour. Oh bonjour. Oui. You have been already? Yeah. Yeah. You don't stay. It smells. A bit of sting in the eyes. Ah, okay. So I think I'll see how you go, but you know, it's worth the view. Okay. But maybe not a view for longer than 5 minutes. Okay. But allez. Good luck. Okay. Thank you. Il arrête pas de me parler nourriture. Il y a la nourriture de tous les pays là. Il n'arrête pas de me parler bouffe. C'est super sympa. Il veut faire du fromage en Australie. Il manque de fromage avec du goût. Il m'a dit. Ils ont que des fromages pasteurisés. Oh vache! Que c'est dur! J'en ai plein les pattes. En plus, ben, du coup, comme on nous a récupéré à 1h du matin à l'hôtel, moi, j'ai pas réussi à trouver le sommeil avant. Oh là là, ça sent le soufre. Pouah. Ah, je vais... Ok, j'ai compris pourquoi il est pas resté longtemps. C'est horrible.
Oh. Excusez pour les images. Là, j'ai perdu le contrôle. Oh, c'est trop dur. Voilà. Le volcan. Oh, je suis en train d'étouffer. Oh, waouh. Oh, c'est vraiment assez horrible. On est dans le sens du vent. Ah, je suis obligé de me reculer un peu parce que j'arrive plus à respirer. On est dans le sens de la fumée et on s'en prend plein le nez quoi. C'est vraiment puissant la, l'odeur là. Oh, je reprends un peu ma respiration. Et après je vais y retourner. Mais c'est vraiment horrible. Allez, j'y vais. C'est fort, hein? Ça sent mauvais, hein? Ah ouais. Oh. Oh, j'étouffe, mon ami. Ouais, c'est chaud. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Oh. Comment ça pue, quoi? Et puis ça prend vraiment le nez, moi. Ça m'a empêché de... Je m'étouffe, quoi. Il est profond, hein. Bon ben voilà, on n'est pas resté très longtemps en haut, parce que franchement, c'est une horreur. C'est waouh, c'est irrespirable. Pouh. Donc voilà, hein, ce que j'aurais ramené comme image de cette expédition au volcan Bromo. Et ben franchement, non, je le conseille quoi. Hein, c'est pas un site mégalithique, c'est pas, y a pas de gros cailloux, mais c'était une belle petite aventure. Et franchement, non, je me suis régalé. La sieste va être agréable aussi parce que là, je commence à être un peu fatigué, mais comme tout le monde quoi. Mais non, c'était une belle escapade. Bon, vous allez pas le croire. En fait, je me refais la montée des escaliers. Parce que... Pourquoi, hein? Parce que j'ai acheté des fleurs en bas, en fait. Ils vendent des bouquets de fleurs pour faire des offrandes au volcan. Et en fait, je suis allé en haut. Et les fleurs, elles étaient... dans une poche de mon sac et j'ai oublié de les offrir au volcan. Alors j'y retourne. Quel couillon. C'est tellement dur. Ah, ça va, j'en ai pour 5 minutes. Allez. Donc me revoilà avec mon petit bouquet de fleurs. C'est mignon. And now, eh ben, il faut faire un vœu et jeter le bouquet. Voilà. Ok. Voilà, ça y est. Le bruit que ça fait, je sais pas si vous entendez. J'avais déjà vu ça au Nicaragua. J'avais même surfé sur un volcan comme ça. C'était marrant. C'était il y a plus de 10 ans. Là, on voit la fumée qui monte. Et moi, je vais partir avant qu'elle arrive à mon nez. Tout le monde s'étouffe, c'est un truc de fou.
Il y a un autre volcan à côté où on peut voir des flammes bleues et où on est carrément au milieu du soufre. Allez, je vais redescendre. Et waouh! Et il faut des masques à gaz et tout pour descendre dans le volcan. Mais c'est magnifique parce qu'il y a un lac d'acide très très bleu. Je vous posterai des photos. Moi je vais pas y aller, je prendrai une photo d'internet. Mais non, ouais, je vais pas aller faire ça. C'est encore un coût de 50 euros, voire plus, parce qu'il y a du matos et du truc. Donc bon, ça suffit pour moi les volcans. Je vais retourner vers les gros cailloux. They're still looking.